Oui, bonjour, bonjour YouTube. On se retrouve pour du Blood Bowl. Incroyable mais vrai, on reprend nos Double Skulls, les nécromantiques, hein, créés sur Twitch. Et on va cette fois-ci affronter également des nécromantiques. Incroyable mais vrai, duel. Duel contre nécromantiques. Sauf qu'eux, ils vont avoir quelques petits sous dans le panier parce qu'on a un peu pex. Donc un joueur spécial, enfin un joueur mercenaire en plus et une serveuse de Bloodvisor qui va améliorer leur retour sur le terrain pour les KO. Très bien. Déjà qu'en plus on a tous régénération, pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. On doit avouer qu'on sort d'un match de deux matchs de FIFA plutôt compliqués, avouons-le. Donc, est-ce que notre capital bad luck a été dépensé? On ne sait pas. Alors, contre des nécromantiques, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, est-ce que je pourrais... Ouais, je vais me remettre un peu comme ça, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, contrôle. Contrôle fait des trucs. Donc, il a acheté Hack, toujours, il prend tout le temps le même champion. Champion relou. Hop. Quoique c'est pas mal de voir les compétences. Après c'est un peu le bordel. Ah oui d'accord c'est celui-ci du coup. Ouais celui-ci qui met les blocages, tacles, etc. Celui-là il est pas mal. C'est plutôt avec ce truc-là qu'il faudrait jouer. Sachant qu'on a une goule avec blocage ici, d'accord. Ah c'est les pecs, d'accord. Ça fait apparaître que les pecs. Ok. Intéressant. Allez, bon. On va commencer comme ça. Ah, c'est pas plus subtil de son côté. Supporter, il gagne une relance, les salauds. Ah, salut Frag Zero, des bisous. FIFA Orc Edition, c'est ça. Necromantic Edition. Peut-être que ça va mieux jouer. C'est pas dit. On y croit à mort. Lui, il avait bien mis ses loups en arrière. Ok. Pas de pecs sur ses loups. Mais en début de game, ça peut être pas mal cet écran-là qui permet de voir que les compétences supplémentaires. Alors. Est-ce que finalement tout va bien se passer? Incroyable, nos joueurs qui tiennent debout. Ah, les zombies qui tiennent, ébroussailles, non, vitriol, pardon, stabilité, merci. Ah bah dis donc, ce sont nos golems qui tombent, et nos zombies qui restent debout. Le monde à l'envers, tronçonneuse, échec. Ouais. Cool. Ça fait plaisir. Le petit échec sur la tronçonneuse, merci. Voilà une bonne nouvelle. Alors on va déjà... relever ces petits gars. On va se mettre là. Essayer de faire tomber son loup. Moi j'ai blocage. Boum. Passer. Très bien, ça c'est fait. Ah merde, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour me placer là. Quel dommage. Allez, Merek. Est-ce que le 2 ou plus est intéressant ou pas? J'ai que 2 relances. Ça me paraît compliqué. On va mettre une goule ici. On va ramener la deuxième goule par là-bas. Ensuite. Là, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit en termes de blocage. Évidemment. Oui, on est bien d'accord. Donc ça va s'arrêter là. Un micro-tour. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas possibilité de faire grand-chose, cela dit.
Ah, qui a follow, chat des io, merci beaucoup, moult bisous, c'est toujours très gentil. Très bien. Et bah le turnover, c'est d'accord. Bon bah ça nous arrange plutôt bien. Alors on va bien se placer. On va placer pour avoir le. Tant plus c'est Kik, c'est un revenant qui a la balle, d'accord. On se place ici. Comme ça on aura 2 dés sur les deux. Parfait. On va l'envoyer là-bas, évidemment. Et un petit peu de chance. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce qu'on a des joueurs à relever ou des placements à faire? Peut-être. On va venir ici avec Madame Canevan, du coup, qui va se placer ici. On va laisser Inata ou pas. Voilà. Surtout pas au contact. Mais on va laisser quelques zones de tacle pour emmerder tout le monde. Très bien. On va essayer de récupérer la balle. Ah putain. Allez, la relance. C'est passé. Et bah, évidemment, on va aller se mettre tout là-bas. J'ai déjà blitzé. Merde. Il va pouvoir m'emmerder avec son loup-garou. Bon, en même temps, j'ai blocage. La baballe. Et oui, du coup, c'est qui l'a récupéré? C'est Merek. C'est Merek qui a récupéré la balle. Ok. Un dé seulement. Putain, il y a rien qu'on puisse faire d'intéressant ici. On a utilisé une relance, on n'a pas blocage. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Ouais. Bon, ben, statu quo. Pas envie de risquer grand chose. Évidemment. Mais sachant que voilà. Il faut mettre le paquet et après il risque de me pousser qui plus est. Oh putain, j'y crois pas. Sur un dé quoi. La grosse blague, la bonne blague hein. Bravo pour la bonne blague. Ouais, garde carrément. La garde nous fait bien chier. Vitriol est sonné. Putain, ce poisse. Petite poisse qui va bien. Toujours, hein. N'oublions pas qu'on s'appelle les Double Skulls. Et c'est pas venu de rien. Après 1 milliard de vidéos sur Blood Bowl, on sait pourquoi on est là. Finalement, on sait pourquoi on continue à jouer au jeu. Ah, bravo les 1D. Bon, la stabilité, oui, mais. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter d'avoir des résultats comme ça avec un seul dé. Merci. Bon bah du coup. Oui, moi j'ai blocage. Donc qui va ramasser le ballon? Rambob, ça serait bien. Putain, sérieusement. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ramasser le ballon, ça a toujours été compliqué. Allez. La petite cacage. On a encore joué rapidement, évidemment. On a oublié de relever tous nos joueurs. Pas joli, joli ce qu'on fait. Et donc. Hop là. Pour emmerder tout le monde, évidemment. Il me reste lui que je peux déplacer par là. C'est fait pour ça. Desperz au contact pour emmerder l'adversaire. Très bien. Cadaveric Crypt.
Putain, mais cette poisse, quoi. Cette grosse poisse, évidemment. Zzz. Petite tronçonneuse au contact. Encore se prendre quelques vilains coups. Oh là 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 là, comment tout passe. C'est vrai que garde là. Là ça nous ferait bien plaisir. Putain, vache. Ça permet de faire la différence même si on n'a pas blocage. Ça permet de faire du 2D. Ah, le double skull, bravo. Enfin un double skull, bravo, bravo. Ok. J'ai une goule avec blocage. Il essaie de contrôler évidemment. Il va rester. Le chaos. Bon bah écoutez. On tente rien de foufou. Peut-être un blitz. Blitz sur le loup. Blitz sur le loup. Je vois rien. Ah c'est super. J'ai blocage. Ok. Et on va marquer direct avec Rambob. Les 3 points d'expérience. Nickel. Bravo Rambob. Il est si beau. Ah, on ne parlera pas hein, des pop-pom girls, comme d'habitude. Ah, expulsion. Parfait. On est tranquille. On va regarder ce placement, c'était pas si mal. Même si on est bien emmerdé en ligne de départ. Despers est blessé, merde. Carrément KO, d'accord. Et en plus le ballon était sorti. Et donc du coup, il le donne à qui veut, d'accord. Tout va bien. Un match qui se déroule sans accro. Incroyable. Toudoudoum. La grosse ligne frontale. Grosse strat. Non mais garde, c'est tellement chiant. Oh là là, plus de relance. Déjà plus de relance. Intéressant. Et voilà ce que ça fait de plus avoir de relance. Boum. C'est marrant d'avoir gardé deux zombies bien en retrait derrière. Alors, debout. Voilà, ça va être compliqué. Allez. Allez, Merak. Ah, c'est Inata par contre. Je vais redescendre un chien. Pirate va redescendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux profiter. Super. Super, super. Chival Quepon. Ici, on va pas pouvoir faire grand-chose. À part si on ramène une Inata ici, ce qu'on va faire. On va passer à 2D. Et on va rester. Rien qui sort. Et on va mettre du soutien par là avec X-Base. Parce qu'ils sont là combien? Ils sont vachement loin. C'est pas ce que je pensais. Ils peuvent pas arriver. J'aurais dû vérifier avant, évidemment. Mais ça, c'est fait. Très bien.
tour avec moult choses à faire. Dès que. Stabilité toujours. C'est tellement bien, c'est tellement bien. Le blitz pour ça, c'est dommage. Attention, sans relance. Ça passe. Oh là là, la blessure de X-Base. Un point en mouvement en moins. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est... fâcheux. Merde. D'accord. Bon, putain, fait chier ça. Ah, ce moins en mouvement, dégueulasse, 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 dégueulasse. Et re... Bon. Ça me permet de faire ça à 2D, ce qui est pas si mal. Et on va poursuivre, évidemment. Il n'a pas encore fait de blitz. Tu as manqué une vilaine blessure. Je sais pas pourquoi je peux pas descendre plus. Allez là. Ici, de X-Base qui vient de se prendre un moins 1 en mouvement. Aïe ouille. Qu'est-ce que c'est exactement? Ange démoli. Et ça, pas cool. Par contre, on a marqué un touchdown. Mais à quel prix? On va essayer de dégager ça pour se faire un peu de pex. Exactement. Allez, acte 2D. Un peu dangereux, mais tout de même. Et les pirates qui reviennent du coup. Pourquoi pas. Hop. Et la poursuite. Putain, pas de pex. Ok. Bon écoutez, fin de tour. Pas top. Ah putain, ce moins 1 en mouvement sur un revenant, pas cool hein. Cela dit, on sert tellement de nous loups-garous pour être mobile, mais quand même, mais quand même. Stabilité, évidemment. Ça aussi, c'est une bonne compétence, hein, stabilité. Là, du coup, pour sortir son porteur de balle, ça me casse les couilles. Aïe aïe aïe. Les beaux jets de day. Allez. Oui, tout à fait. On fera ça dès qu'on va recruter. À mon avis. Il va falloir recruter bientôt. Yes. Oh là là, juste ça quoi. Putain, pas de sortie. C'est atroce.
sonner seulement. C'est vraiment le gros bazar. C'est vraiment la grosse merde. On a 2 dés. Ok. Boum. On va rester là, nous. Ah, 2 tours au sol. Parfait. Très bien. Et ça sera tout. Bon, ça va rester un petit peu par là. Hein. Là, c'est son dernier tour. De toute façon, il ne peut pas marquer. Ça, c'est bon. Mais ça va s'enliser. Ça peut voilà, être la merde. Non, ça va. Juste turnover. Et là... très bien. Dernier tour pour nous de cette première mi-temps. L'objectif étant de faire du PEX. Putain, rien qui sort. Ah non, je viens de le lever. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec mon loup-garou. D'accord. J'avais en tête que j'étais avec mon loup-garou. Tant pis. Bon. Ça fail dans tous les sens. Incroyable. Prochaine mi-temps. Putain, 2 joueurs qui sont pas là. 9 sur le terrain, très bien. Ça sent extrêmement bon. Allez, on va faire ça comme ça. Incroyable, le golem. Quelqu'un dit fail, ouais. Une légère brise fait dévier le ballon aléatoirement d'une case supplémentaire avant qu'il n'atterrisse. Les Devil Skull. C'est vrai que quand je fais contrôle. Ok, c'est par là-bas. Bon, bah... Un seul dé... Compliqué. Compliqué comme situation. On va jamais réussir à ramasser de ballon. Bravo. Non. Non, 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 c'est bon. Blocage. Ici. On va mettre un autre joueur ici. Et on va garder... pirate pas très loin. On n'a pas utilisé de dés. Oh là là. Évidemment. Voilà. Ah, c'est pas ma journée. Hein. C'est pas ma journée. Incroyable mais vrai. Incroyable. Ça veut pas. Tant pis, hein. Tant pis. Ah, il y a des jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Incroyable. Ouais, j'avoue, ça fait toujours mal d'être obligé de cliquer sur le crâne après une relance. Bon, je commence à développer une certaine habitude de ce geste qui fait que finalement, ça va. Finalement, tout est sous contrôle. Et oui, c'est ça. Mais j'ai bien fait de choisir cette emote, hein, finalement, c'était lucide comme, comme choix d'emote. Allez, je vais dégager ça.
Oh là là. Allez, un petit skull. Tiens. Hop. Allez, j'y crois mort. Deux fois d'affilée. Je pense que ça vient du nom de l'équipe. Peu importe le nom de l'équipe, je crois que ça ne change rien. Bon, allez. Dans tous les cas, sur toutes les équipes, ça fait pareil. Finalement. Ah là là. Mon Dieu. On a trop ex. Trop eu de chance au départ. Boum. Ouais, un cabos à sortir du terrain. Oui. Oui, oui, oui. Bien vu. On a moyen de faire ça assez facilement. On va ramener du soutien pour être à 2D, hein. Pourquoi j'ai ramené mon soutien là? Putain. Bon, obligé de... Là j'ai blocage, c'est parfait. Et là, puis jouer en infériorité numérique, évidemment, c'est pas la meilleure des choses. Bon, mais là avec les gardes et compagnie, incroyable, on va rien pouvoir faire. C'est un beau tour. Je vous dis, hein, finalement, à jouer des tours comme ça, on va se mettre à commenter des gens qui jouent. Hein. On va organiser des tournois de Blood Bowl, on va les commenter. Des gens de talent qui jouent. Ça sera tellement mieux. On va faire la Double Skull Cup. Ou la Double Skull Skull. Ça va être très bien ça. De toute façon, c'est comme en vrai, hein. Si on est trop mauvais pour jouer, hein, on se retrouve à commenter les autres qui jouent à notre place. Oh, je l'aime bien ce petit troll. Ah, bravo. Bon, là, on peut faire sortir un yinche. Ça, c'est bien. Par contre, faut faire le blitz. Par contre. Est-ce qu'on veut pas rester? Oh là là. Super. Super. Bravo. Bravo. Oui, oui, clairement. Un des... Oh, de toute façon, au point où on en est, hein. Au point où on en est... Il reste combien de temps? Oui. Ok.
Changement de tactique. Que fait-il? J'ai pas tout compris. Et que fait-il? Pourquoi il fait ça? Mais encore une fois, hein, c'était l'objectif en allant jouer en ligne, c'était de voir d'autres joueurs, voir d'autres manières de jouer, réapprendre des trucs, parce que c'est là où j'avais progressé le plus, moi, en jouant, c'était quand je jouais en ligne, évidemment. Mais force est de constater que c'était compliqué d'avoir des matchs intéressants en ligne, hein. Soit ça durait une plombe, soit le joueur faisait absolument n'importe quoi. Ça mettait 15 ans à trouver un match, c'était quand même c'était assez peu concluant. On va finir par créer notre propre ligue. Ou trouver une ligue publique intéressante. Mais avec des joueurs qui jouent dans mes horaires, encore une fois, compliqué. Allez, on y croit à mort. Et je sais pas pourquoi il a fait ça. Hein. Bravo. La blessure. Des os. Aucune idée sur le cross-platform. C'est une très bonne question. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux aller jusqu'ici. Je sais pas pourquoi il a décidé de me laisser un couloir. Incompréhension totale. Il est où son autre chien? Il est trop loin. D'accord. Donc on va pouvoir se mettre là. Oh là là, il n'y a tellement plus personne. La pitié de l'IA qui se dit putain, laissons le marquer notre touchdown. J'ai pas compris. Absolument pas compris. Ça va. On reste en vie. Bravo. Stabilité toujours. Très bon défenseur, hein, ces golems. Boum. Bon bah c'est le touchdown. Est-ce que ça m'arrange? Celui-ci sur ses appuis, exactement. Est-ce que ça m'arrange? Qui sait? Bah, c'est Merek qui va marquer un petit touchdown. C'est parti. Allez, la victoire d'assurée comme ça. Bravo Merek. La balle. Ah, c'est Pop-Home Girl. Bientôt le DLC. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9. 9 sur le terrain. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 9 sur le terrain, quoi? La babelle. Ligne médiane de bûcheron, quoi. Au revoir la ligne. Courageux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. C'est vrai que ça aurait pu être cool.
Boum. Le turnover. Ok. Toujours du gâchis. Oh là là. Bon, hein, voilà. Voilà, voilà. Le turnover. Moi, j'attends plus rien, finalement. Alors, la question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire après la pause. Parce que, évidemment, après ça, une petite pause s'impose. Je crois qu'à un moment, faut... Et qu'est-ce qu'on va faire après ça? Est-ce que c'est lucide de continuer à jouer à Blood Bowl ou à des jeux avec du hasard aujourd'hui? Est-ce qu'on n'irait pas farmer Grimrock 2, le boss, sans record, juste pour le fun? Incroyable. Est-ce qu'on n'irait pas faire des pizzas? Oh, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, je vous avoue, je sais pas. Ok. Relever seulement, c'est déjà bien. Il reste quoi? Il reste un tour chacun. Il peut pas marquer. Donc le ballon, zob total. On veut Pex. On veut Pex. Nous, dans l'idée, on va essayer de Pex. Non, mais... Voilà. Je sais pas. Oh, je sais pas. Incroyable. Incroyable. Voilà. C'est pas mal, hein. Ce petit match était... C'est incroyable. Bravo. Voilà. Oh là. Petit café après, hein. Ça change pas grand chose, voilà. Fin du match, 2-0 tout de même. Malgré tout, ça reste une victoire. J'ai fait un 1, voilà. J'ai fait un 1 sur les gains. Bravo. À l'image de ce match, finalement. Relançons ça quand même. Ah, je relance pour faire un 1. D'accord, d'accord, très bien. Je valide. Ok. On a gagné quand même un point de popularité, bravo. Les joueurs du match, Madame Canevan, bravo, 5 points. Le 1 du non-respect, c'est tellement ça. Et donc du coup, 3 pex pour Merek et 3 pour Rambob. Voilà, un match incroyable. La compétition est terminée, vous avez gagné la compétition. Il voulait pas que tu joues, c'est ça. Bravo. C'est vrai qu'on avait fait juste une petite compétition en petite coupe. Éliminatoire. Et c'est gagné. C'est vrai qu'on avait fait juste une petite coupe. D'accord. Ah. Mais comment elle fait? Eh oui, on ne parlera pas, hein, de... Ouais, bref. Moult choses se passent dans les tribunes. Bravo à tous. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec cette équipe. Merci d'avoir regardé. YouTube, nous te faisons moult bisous et on te dit à très bientôt.